L'octocapsule approche les 40e rugissant. Les courants sont forts. Il va falloir les traverser. Non, capitaine, vous n'êtes pas en état. Oh. Ah, oui, mais quelqu'un doit piloter le vaisseau. Et ce quelqu'un, ça va être toi, Pesso. Moi? Pesso, sers-toi du manuel. Tu peux y arriver. Mais, capitaine! Tu connais plus de 317 façons de faire des pansements sur des blessures. Tu as effectué des visites médicales dans l'océan Arctique. Oh! Ça relève de la médecine! Et ce sont des actes que j'ai pratiqués de nombreuses fois! Il y a toujours une première fois. Tu es notre dernière chance. Je vais essayer. Nav, occupe-toi bien de mes patients. Coupez le pilotage automatique, activez les commandes manuelles et activez l'octopasserelle. Capitaine, ça y est, j'ai pris les commandes manuelles. Oh, gros rocher, qu'est-ce que je fais? Ça dit d'aller tout droit, mais je dois le contourner, sinon c'est le crash. Garde une main sur la barre, l'autre pour enclencher le gouvernail. Tu peux y arriver, Pesso. Enclencher, gouvernail. Finalement, je vais peut-être y arriver. Je n'y arrive pas. Et maintenant, rocher et mer agitée, ce n'est pas dans le manuel. Qu'est-ce que je dois faire? Fais ce que tu n'apprendras dans aucun manuel. Fais-toi confiance. Facile à dire, je suis infirmier. Je ne sais pas piloter de bateau, je prends soin des gens. Après tout, mais oui, je prends soin des gens. L'équipage tout entier de l'octocapsule compte sur moi. Je vais y arriver. Cône géographe, il s'est enfui. Pesso est en danger. Je dois tenir bon. Nom d'une nageoire. On a dépassé les 40e rugissants. J'ai réussi.